Ça, c'est le frère Jacques qui conduit le tricycle, allait chercher le baf ce matin. C'est le frère Jacques, le grand conducteur. Dieu te bénisse, frère. Il allait chercher le matériel. À Sono. On peut décharger vite et puis on va aller pour le baptême. Bonjour. Donc il y a déjà quelques personnes pour le baptême. Nous allons partir tout à l'heure aux eaux de baptême. Et suite à quoi on reviendra pour faire le culte ce matin. Ensuite dans la soirée, on aura la dernière séance au foyer des jeunes. Voilà, nous partons dans les eaux de baptême. Voilà, ce sont les frères qui ont cru que t'es invité et alors ils ont décidé de prendre le baptême. Voilà. Voici comme vous pouvez le constater. Ce sont les frères qui ont cru, alors ils ont décidé de prendre le baptême. Voilà. Ça rebute trop, hein? À cause de la moto là. C'est toi qui te fais si tu roules et puis tu filmes. Là-bas. On devait te prendre si tu roules et puis toi tu filmes. Shalom, shalom. Nous sommes venus aux eaux du baptême et nous sommes à Bessédi Briand. Voilà, nous ne sommes pas à Bidjan, nous sommes à Bessédi Briand. Voilà. Nous sommes préfecture de d'Azopé. Donc, les nouveaux baptisés qui ont décidé de. Les âmes qui ont décidé de croire la parole. Que tu ouvres maintenant les esprits de nation, que Père, tu prennes le contrôle de toutes choses, que l'air également soit parti et agit. Éternel, c'est mort de cela et et que Dieu du ciel, nous puissions être dans cette joie aujourd'hui et que cela continue jusqu'à ce qu'un de ces quatre matins, tu nous appelles au Père. Souviens-toi vraiment de ce vœu que chacun, frères et sœurs, vont faire ce jour pour toi. Conduis les désordres et assiste sur moi. Oh Dieu, Père, nous confions l'eau que nous avons baptisée la journée. Et tout cet endroit maintenant sous ton contrôle, afin que s'il y avait des démons, des mauvais esprits en ce lieu, qu'ils soient dégagés, chassés de loin de Dieu. Et regagne les lieux de ce canaliser cet endroit. Barricadez encore, Seigneur, ce lieu-là. Par le sang de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons juste méditer la parole de Dieu un peu et puis on va passer au service des baptêmes. Amen. Amen. Suite à la prédication hier, comment vous avez pris l'engagement? Quels sont ceux qui veulent se faire baptiser tout à l'heure? Vous êtes au nombre de 6. Okay. Les autres n'ont pas pu venir certainement. Hein? On aura encore notre service de baptême. Amen. Amen. Le baptême, il est vraiment important. Je vais vous lire des portions de Saintes Écritures. D'abord dans Marc, le chapitre 1, le verset 4. La Bible dit que Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Il y a eu un homme qu'on appelait Jean-Baptiste qui est venu avant Jésus. Parce que la Bible avait dit que quelqu'un allait venir avant lui.
Amen. Amen. Et quand Jean-Baptiste est venu, la Bible dit que il a commencé à baptiser, à prêcher et à baptiser les gens dans le désert. Amen. Amen. Et il prêchait, il baptisait, il prêchait. Amen. Amen. Il prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés des gens. Et l'Écriture rend témoignage que beaucoup de personnes venaient pour se faire baptiser. Si la Bible a écrit cela, c'est parce que le baptême était important. Et comme hier nuit, je disais à certains, parce qu'il y a une soeur qui m'a posé la question, je voulais même montrer que Jésus lui-même, là, il s'est fait baptiser par Jean. C'est ça. Quand il est venu aux eaux de baptême, Jean-Baptiste n'a pas voulu dire, ah, parce que Jean-Baptiste, mais lui n'est pas digne même d'enlever ses souliers, et puis c'est lui qui va lui demander de le faire baptiser. Jésus lui a dit non, laisse que la parole de Dieu s'accomplisse. Amen. 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 C'est pour dire que nous sommes tous soumis à la parole de Dieu. Dieu lui-même, il est soumis à sa propre parole. Et comme il avait écrit cela, lui aussi, il devait accomplir cette écriture, se faire baptiser. Et Jésus s'est laissé baptiser. Donc, si nous aussi nous croyons, nous devons aussi nous faire baptiser. Parce que Jésus lui-même a recommandé cela. Il dit, allez prêcher. Allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous vous apportons, nous avons apporté. Et il dit, celui qui va croire en cette parole-là, qu'il se fasse baptiser. Amen. Afin qu'il soit sauvé. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi, quand nous croyons à cette parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ, nous devons aussi accepter d'être baptisés. Le baptême est important. Et quand on continue au verset 5, il dit, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Tel que nous sommes venus nous aussi ce matin à cette rivière-là pour faire le baptême. Amen. Amen. Les gens qui étaient partout, ils venaient. Et la Bible, ils confessaient leurs péchés, ce qu'ils ont fait de mal. Parce que la parole de Dieu les avait touchés. Ils devaient se repentir. Et ils confessaient leurs péchés. Donc, pour venir au baptême, on doit confesser nos péchés. C'est ça. Amen. Amen. On doit confesser nos péchés. Reconnaître la fausseté dans laquelle nous avons marché autrefois. Même si on était dans des religions, ce qui était de faux que nous avons fait. Et que maintenant, la lumière de Dieu est venue à nous. On doit reconnaître ce mal qu'on a fait devant Dieu. Confesser cela, dire cela à Dieu, demander pardon à Dieu et décider dans notre cœur de nous détenir de cela et nous engager sous les eaux du baptême. Amen. Amen. Mais en réalité, le baptême, ce n'est pas ça qui nous sauve. Parce que beaucoup de personnes se sont fait baptiser. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont fait baptiser qui seront sauvés. C'est ça. Amen. Amen. Dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 21, la Bible nous explique ce que c'est que le baptême en fait. Je vais lire rapidement. Il dit, cette eau était une figure du baptême. Quand il y a eu le temps de Noé et que Dieu a détruit la terre par l'eau, la Bible dit que cette action qui a eu lieu là, c'était une figure, c'est une image, comme j'ai expliqué à certains hier. C'était une image du baptême. La terre a connu son baptême. Amen. Et comme l'homme de Dieu l'expliquait hier, quand Dieu a appelé Israël qui devait quitter l'Égypte pour aller là où il devait le servir, ils sont passés par la mer Rouge. Amen. Amen. Et quand ils ont traversé, Dieu a séparé l'eau. C'était aussi une image du baptême. Qu'ils ont passé, ça a été une victoire pour eux. Amen. Amen. Et je continue ce passage, il dit, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Amen. Amen. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est ça. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Amen. Et qui maintenant vous sauve. Et l'engagement que tu prends là, c'est ce qui te sauve. C'est ça. Amen. Amen. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pourquoi c'est important. Quand on s'engage dans les eaux du baptême, on montre à Dieu qu'avec une conscience pure, là, on veut te suivre. C'est ça. Amen. Amen. On ne peut pas dire que je crois à la parole de Dieu et puis tu ne te fais pas baptiser pendant que tu as la possibilité de le faire. On doit se faire baptiser parce que Jésus lui-même l'a recommandé, lui-même l'a fait. C'est pourquoi j'ai pris exprès, je vous ai lu Jean-Baptiste. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Donc c'est important de se faire baptiser. Quand tu t'engages sous les eaux du baptême, tu montres à Dieu que tu as décidé pour le suivre. Tu as décidé de t'engager pour la parole. Tu as décidé, tu as cru à la lumière de Dieu, qui est sa parole qui est venue à toi aujourd'hui. Et tu décides de t'engager dans les eaux du baptême.
pour montrer que tu décides de mourir avec le Seigneur Jésus-Christ et aussi de ressusciter avec lui. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit ici, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Jésus n'est pas resté mort dans le tombeau, mais il est ressuscité. C'est pourquoi quand on nous plonge dans l'eau, totalement dans l'eau, on nous relève pour montrer que nous mourons à nos péchés, tout cela, en Christ, et nous ressuscitons en lui. Amen. Pour vivre pour toujours avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et ce Jean-Baptiste, dont il est question, quand il parlait aux gens, il leur disait que moi je vous baptise d'eau aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui vient après moi qui est plus grand que moi. Lui, il va vous baptiser de l'esprit et il va baptiser du feu. Amen. Et c'est Jésus qui devait faire cela. Amen. Amen. Donc, quand on fait le baptême d'eau, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. La chose encore la plus importante. Les disciples avaient fait le baptême d'eau, mais Jésus leur avait recommandé qu'ils devaient attendre pour eux aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et comme j'ai expliqué à un d'entre vous hier nuit, que Pierre qui était peureux avant, à la veille même de la mort de Jésus, mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre était devenu une autre personne. Amen. Donc il nous faut aussi le baptême du Saint-Esprit pour transformer notre vie, pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Amen. Pour que nous appartenions totalement au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc Jean-Baptiste avait parlé aussi de ce baptême-là. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi après le baptême d'eau, il faut aussi que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il faut que vous soyez baptisé du Saint-Esprit. Et peut-être d'autres vont me dire, comme quelqu'un a dit hier, que j'ai été baptisé déjà. Mais vous voyez qu'on a lu tout à l'heure, le baptême, c'est quoi? C'est l'engagement d'une très bonne conscience. Amen. Devant Dieu. Mais si tu sais que le baptême que tu avais fait, ce n'était pas dans une bonne conscience, en fait, tu n'avais pas cru à la parole véritable de Dieu, oui, tu dois reprendre ton baptême. C'est ça. Tu dois le reprendre. Ceux qui venaient au baptême, ce n'était pas seulement que c'est l'acte à entrer sous les eaux qu'il avait accompli, mais ils devaient croire à la parole qui lui était prêchée et se repentir. Amen. Et puis être baptisé. Donc au temps de Jean-Baptiste, il y a eu une parole qui avait été donnée. Quand Jésus est venu, ça n'a pas continué avec le baptême de Jean-Baptiste. Il fallait maintenant que le baptême soit fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Avec un nouveau message qu'il est venu leur apporter. Et c'est pourquoi, dans la Bible, il est fait mention, je vais lire ça tout à l'heure, pour ne pas que peut-être d'autres pensent qu'on a inventé cela, des gens qui avaient reçu le baptême de Jean, qui croyaient au message des gens. Mais quand la parole de... Après la résurrection du Seigneur Jésus, quand les disciples ont commencé à leur prêcher, les Paul et autres, et qu'ils ont entendu cette parole, Paul leur a demandé, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils ont dit, mais ils n'ont jamais entendu parler de ça. Bien qu'ils étaient baptisés, ils avaient fait le baptême des gens. Amen. Je vais lire ça pour vous. Acte 19, verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils lui répondirent, du baptême de Jean. Amen. Vous avez compris? Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ils avaient été déjà baptisés du baptême de Jean. Jean lui avait prêché qu'il y avait quelqu'un qui devait venir après lui. Ça, c'était nécessaire en son temps, ils ont fait ça. Maintenant que cet homme qui devait venir, qui est Jésus, est venu et qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et qu'il a donné cette parole à ses apôtres, aux disciples, et qu'ils ont prêché cela, et qu'ils ont cru en cela, donc ils devaient maintenant obéir à tout ce que cette parole leur a dit. Donc ils devaient se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible, quand ils ont écouté cela, ils ont compris. Donc ils ont accepté de se faire baptiser à nouveau. Amen. Ils sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est pourquoi, si même on a été dans les... Ces gens-là, ils pratiquaient déjà la parole de Dieu, mais ils ont repris le baptême. C'est pourquoi si on a été dans les religions, on a été dans les faux enseignements, et que maintenant Dieu est venu à nous, par sa lumière, par sa parole, d'aujourd'hui, parce qu'à chaque temps, Dieu a sa parole. Il a une volonté qui révèle aux gens, qui montre aux gens, et il faut suivre cela. Si Dieu montre que c'est ça, on doit suivre aujourd'hui, et toi tu dis c'est pour hier, tu veux suivre, à ce moment tu es perdu. C'est ça. Donc c'est que Dieu nous a révélé aujourd'hui là. Si nous acceptons cela, nous devons nous conformer à cette parole et accepter de nous faire baptiser au nom du Seigneur
Amen. Et c'est une solution cela. Amen. C'est la raison pour laquelle on doit répondre le baptême. Même si tu es venu à cette parole et que tu n'avais pas compris vraiment la chose et que tu as peut-être pris le baptême parce que les autres sont venus faire, que maintenant tu comprends, tu as la possibilité toujours de reprendre ton baptême. Parce que ça doit être un engagement d'une bonne conscience. Mm-hmm. Amen. Amen. Ça doit être d'un cœur sincère. Mm-hmm. Et alors, après cela, il faut que tu reçois aussi le baptême du Saint-Esprit. Et comme je suis en train de vous dire, le jour où les Pierre ont fait cette expérience du baptême du Saint-Esprit, et que Pierre a commencé à prêcher sous l'onction du Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, les gens ont eu le cœur vivement touché. Des gens qui partaient à l'église, hein, qui partaient dans les synagogues, qui pratiquaient la religion. Mais il y avait un message nouveau qui venait de sortir, que Pierre a prêché, que Pierre a porté, le message de la résurrection, le message de vie du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont été, la Bible dit, le cœur vivement touché. On lit ça dans Actes 2, le verset 37. La Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et tellement ils étaient touchés, ils ont dit aux pierres hautes, mais homme frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant qu'on voit que vraiment on est coupable, non, c'est pour, faut laisser. Laisse le potable. Qu'est-ce qu'on doit faire? Amen. Amen. Et si vous aussi, cette parole qui vous a été apportée, si vous êtes vraiment touché, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. C'est ça. Et la voie à suivre leur a été montrée. Pierre leur a dit, repentez-vous. Amen. Amen. Ce que vous avez à faire, ce n'est pas d'aller payer des bougies. Ce n'est pas d'aller faire des pénitences. Ce que vous avez à faire simplement, c'est de vous repentir. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus Christ pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, alors vous allez recevoir le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si ce matin, après avoir écouté toute la parole qui a été prêchée, vos cœurs sont vraiment touchés, ce que vous avez à faire, de vous repentir. Amen. Si vous avez suivi autrefois la fausse parole de Dieu, vous avez suivi autrefois les fausses religions, les fausses pratiques, les fausses pratiques de fétichisme, d'idolâtrie, toutes ces choses-là, vous devez regretter cela. Vous devez vous repentir de cela. Amen. Vous devez demander pardon à Dieu pour cela et vous engager à suivre maintenant le Seigneur Jésus-Christ. Vous engager sous les eaux du baptême, commencer une marche nouvelle avec le Seigneur et prier le Seigneur qu'il puisse vous donner le baptême du Saint-Esprit. Amen. Faites de vous des personnes nouvelles qui vivent maintenant, non pas selon l'esprit du monde, mais qui vivent selon l'esprit de Christ. Amen. 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 Ce ne sont pas un temps d'enseignement, c'est juste une petite exhortation. On va faire le baptême. Comme quelqu'un me posait la question, il y a sa voix, mais il faut que je connaisse bien, il faut que on enseigne. Non. Jésus dit, allez baptisez-les d'abord, et ensuite enseignez-leur. Enseignez-leur. Amen. Amen. Les enseignements, vous serez enseignés. Amen. Par la grâce du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons vous accorder un petit temps. Chacun peut prendre un coin, se mettre, prier. Si vraiment tu es touché par cette parole, tu vas encore prier, demander pardon au Seigneur. Tu vas encore demander la grâce de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je veux en ce jour m'engager de tout mon cœur sous les eaux du baptême et te suivre pour tout le restant de ma vie. Chacun donc peut se mettre à genoux quelque part et prier le Seigneur. Quoi seulement. Les frères, nous chantons maintenant. Quoi seulement. Tout est possible. Quoi seulement. Quoi seulement. Quoi seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement, tout est possible, crois seulement. Jésus pardonne, Jésus pardonne, il pardonne les cœurs, Jésus pardonne. Tout est possible, Jésus
pardonne. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus Christ sauve. Jésus Christ sauve. Tout est possible. Jésus baptise, Jésus baptise, de son esprit, Jésus baptise, tout est possible, Jésus baptise. Mais pourquoi croire seulement? Crois seulement. Crois mon frère. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois ma sœur. Crois seulement. Oh oui, crois. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous allez vous approcher. Okay. Okay. Si appel, tu déplaces les gens. Okay. Okay. Vous allez venir un à un. Pardon. Pardon. Frère Jacques, là tu sais de te faire un à un. Attendez d'abord, il va descendre. Il va s'allier. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Il m'a lavé, oh, il m'a trouvé. Il m'a lavé, alléluia, oh. Il m'a cherché, il m'a trouvé. Il m'a lavé, alléluia, oh. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a lavé. Alléluia, oh, il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a lavé, alléluia, oh, je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi, je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi, je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Il m'a cherché, il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a trouvé, il m'a lavé, oh, alléluia, oh, il m'a cherché, il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a lavé, alléluia, oh, je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Il
m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a lavé, alléluia, oh, il m'a cherché, il m'a trouvé, il m'a lavé, alléluia, oh, Jésus, je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Je sais que Jésus est mort, il est mort pour moi. Faut bien l'attraper. Il est mort, il est mort pour moi. Il m'a cherché, il m'a lavé. Alléluia. Non, il n'y a rien, il y a quelque chose. Le de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, Jésus puis soit loué. Le de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, Jésus puis soit loué. Jésus Christ soit loué dans la vérité. Jésus Christ soit loué dans la vérité. Oui, adorons mon Dieu dans la vérité. Adorons mon roi dans la vérité. Adorons mon sauveur dans la vérité. Adorons mon Dieu dans la vérité. Jésus Christ soit loué dans la vérité. Jésus Sois loué dans la vérité. Jésus qui soit loué dans la vérité. Jésus qui soit loué dans la vérité. Adorons mon Dieu dans la vérité. Dans la vérité. Adorons mon Père dans la vérité. Dans la vérité. Adorons mon Dieu dans la vérité. Dans la vérité. Adorons mon Sauveur dans la vérité. Dans la vérité. Le de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, Jésus, que sois loué. Le de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur, Jésus, que sois loué. Jésus, qui soit loué, à la vérité. Jésus, qui soit loué, à la vérité. Jésus, qui soit loué, à la vérité. Jésus, sois loué, oui, adorons mon Dieu dans la vérité, adorons mon roi dans la vérité, dans la vérité, adorons mon Père dans la vérité, dans la vérité, adorons mon Seigneur dans la vérité, dans la vérité, Jésus-Christ sois loué, dans la vérité, Jésus-Christ sois loué, dans la vérité, Jésus-Christ sois loué, dans la vérité, loué à la vérité. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu, Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié. Le feu est descendu, oh, l'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu, oh, mon sauveur a prié. Oh, Emmanuel a prié. Le feu est descendu. Jésus-Christ a prié. Le feu est descendu. Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu. Élie a prié. Oh, Jésus-Christ a prié. Le feu est descendu. L'homme de Dieu a prié. Amen. Le feu est descendu. Amen. Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. Élie a prié. Élie a prié. Élie a prié. Le feu est descendu. Oh, l'homme de Dieu a prié. Le feu est descendu. Emmanuel a prié. Le feu est descendu. Le roi des rois a prié. Le feu est descendu. Jésus-Christ a prié. Le feu est descendu. Amen. Est ici le Dieu de l'île. Est ici
Pays de paix, oh pays de paix.
pays des paix, au pays des paix. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de paix? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de paix? Pays d'amour, pays d'amour, oh pays d'amour, pays d'amour, oh pays d'amour. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays d'amour? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays d'amour? Pays de joie, pays de joie, oh pays de joie, pays de joie, oh pays de joie. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays de joie? Amen. Amen. Quand je vous lisais tout à l'heure, on vous a lu les scènes de culture, les personnes qui avaient fait le baptême des gens qui devaient reprendre le baptême. On leur avait d'abord demandé, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Et ils ont dit, ils n'avaient jamais entendu parler de ça. Amen. Amen. Parce que c'était vraiment essentiel. Il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et quand Pierre aussi a prêché la parole que nous avons lue, quand il a demandé aux gens de se repentir, de se faire baptiser, il dit alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ce qu'on appelle la promesse du Père. Que Jésus avait donné aux apôtres. Il leur avait dit d'attendre pour recevoir ce baptême-là. Afin qu'il soit en mesure d'aller apporter sa parole à tout le monde entier. Amen. Amen. Donc, une chose, d'être baptisé d'eau. Il nous faut aussi être baptisé du Saint-Esprit, du feu et de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est pas un homme qui le fait. Tout à l'heure, c'est un homme qui vous a plongé dans l'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, Dieu lui-même l'a accompli dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Si votre foi est sincère, Dieu vous accordera ça. Amen. Amen. Je vais prier simplement pour vous. Amen. 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 Pour chacun. Mais on va ensemble élever la voix. Et remettre tous ses francs, même le Seigneur, pour que Dieu leur accorde aussi l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Jésus, nous te confions les frères, Seigneur, qui ont cru à la parole. Nous te les confions tes mains, que l'ange éternel lui-même vient les baptiser du Saint-Esprit, afin que si l'enlèvement devait avoir lieu aujourd'hui ou demain ou après-demain, Seigneur, que ce soit cette année ou l'année prochaine, que tu puisses les enlever au nom de Jésus-Christ. Accorde-les, Seigneur mon Dieu, un cœur vivant pour la parole, Seigneur. Que la parole est maintienne, que la parole est délivre, Seigneur. Sois l'ennemi de nos ennemis et l'adversaire de l'adversaire. Je confie en tes mains au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Garde mes frères, Seigneur. Garde mes cieux contre la parole. Souviens-toi d'eux au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses leur donner la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Et puis donner le baptême de cet esprit. Et que la parole du Seigneur puisse retrouver sa place afin de chasser la mondanité, afin de chasser l'ennemi et de éteindre les traits enflammés du malin. Afin que l'ange éternel vienne planter une nouvelle vie au nom de Jésus-Christ. Accorde la grâce au nom de Jésus. Et que tu viennes couper les liens du monde, couper tout ce que l'ennemi a mis dans la vie. Et que tu accordes la grâce aux frères et sœurs. Et que tu ouvres l'esprit afin de comprendre la parole. Et que, Seigneur, qu'il soit ferme, Seigneur mon Dieu, par la parole au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Accorde la révélation là-bas, du message de leur nom de Jésus. Et que, Seigneur, tu te souviennes d'eux. Et que, Seigneur, l'ange éternel puisse prendre soin d'eux. Et qu'il campe autour d'eux afin de les garder et de les protéger au nom de Jésus-Christ. Nous te les confions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu,
du feu, accorde la vie. Seigneur, souviens-toi du nom de Jésus-Christ. Et que l'ange de ténèbres puisse cacher la vie en Jésus-Christ, Père éternel. Accorde la vie au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Donne la vie au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Afin que Père éternel puisse avoir la vie en eux, au nom de Jésus-Christ. Et que l'amour, la parole, Seigneur mon Dieu, enflamme, Seigneur, le cœur, afin de chasser les ténèbres, afin de chasser les démons, afin de chasser ce que l'ennemi a mis dans le cœur, afin de consumer ce que l'ennemi a mis dans la vie. Seigneur, que le sang de Jésus-Christ puisse laver, que le sang de Jésus-Christ puisse purifier, et que ça ne s'arrête pas là, Seigneur, afin que, Seigneur, qu'il puisse être, Seigneur, mon décisif, c'est qu'il ne soit pas indécis, mais que l'engagement qu'ils ont pris, qu'ils puissent être scellés, cela, qu'ils tiennent ferme dans cet engagement qu'ils ont pris au nom de Jésus. Afin que, Seigneur, Jésus-Christ, que toi-même, Seigneur, tu prends, tu pourvois leurs besoins spirituels comme matériels au nom de Jésus. Garde leurs âmes, Seigneur mon Dieu, et que l'amour de la parole soit les soucis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur, 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 merci Seigneur. Notre précieux Père Céleste, nous te disons merci. Merci toi qui as permis ce service de baptême ce matin. Oh Dieu, tu nous as donné d'accomplir ta parole, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu nous as accordée ce matin. Pour toutes ces âmes qui sont engagées sous les eaux du baptême, pour tout ce service tenu, nous remettons le reste des choses entre tes mains. Nous remettons le marche entre tes mains, Seigneur, afin que tu tiennes chacun, tu conduises les pas de chacun dans tes voies, Seigneur, et que la puissance de ton esprit se manifeste dans la vie de chacun d'eux, Seigneur, pour la gloire de ton nom et pour ton royaume. Béni sois-tu, Seigneur, d'être avec nous, alors que nous finissons ce service, puisse ta grâce nous accompagner et nous assister pleinement pour le culte de ce matin que nous aurons, et également pour le programme ce soir que nous aurons également, Seigneur. Conduis toutes choses et bénis le reste de cette journée. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. 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 Shalom, frère. Amen. Shalom. Amen. Shalom. Shalom. Ok. On va partir directement. Amen. Comme on a le culte tout à l'heure. On va aller, ceux qui n'ont pas pu faire le baptême, certainement après le culte ou demain, notre groupe, on viendra encore pour faire le baptême. Pour ceux qui ne sont pas venus. Allons-y.